Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de notre coloriage en commun du mois de juin. Si vous ne savez pas ce qu'est le coloriage en commun, c'est tout simplement un événement que j'organise à tous les mois. À tous les mois, je choisis un thème et ceux qui ont envie de participer, c'est pour le fun, il n'y a rien à gagner. Mais ceux qui ont envie de participer, vous n'avez qu'à colorier sur le thème choisi. Et ensuite, vous venez sur ma page Facebook. Je vous mettrai sous la vidéo dans la barre d'infos le lien direct, mes amis, pour que vous n'ayez pas à chercher. Vous venez sous ma vidéo, vous cliquez sur le lien direct et vous arrivez directement dans l'album où vous devez poster votre coloriage en commentaire. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aussi participer sur Instagram. Mais par contre, si vous postez votre colo sur Instagram, vous le postez comme n'importe quel de vos colos. Mais pensez à me taguer, par contre, pardon. Pensez à me taguer pour que je puisse avoir une notification et pour que je puisse aller voir votre colo. Normalement, je regarde tous les colos, je commente tous les colos, j'essaye, mais si. Bon, je sais, ça peut arriver que parfois j'en manque un, mais normalement, je vois tous vos colos. Alors, ça se passe du 1er au 30 juin. Et c'est simplement, si vous faites le colo, mais que vous ne le terminez pas à temps, c'est pas grave, là, stressez-vous pas, il n'y a vraiment pas de stress là-dedans. C'est juste que moi, je mets une date parce que après, je change de thème pour le mois d'après. Mais si vous faites votre colo et que vous le terminez en retard, c'est pas grave, vous pouvez quand même le poster, là. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas chiante, mes amis. Donc, voilà. Ensuite, je vais essayer de répondre à les questions que vous me posez tout le temps. Disney, hors Disney, mystère, hors mystère, tout est accepté en autant que ce soit sur le thème. Et n'importe qui peut participer. Ne me parlez pas de niveau, ne me dites pas en commentaire, j'aimerais participer mais j'ai pas le niveau. Il n'y en a pas de niveau. Il n'y en a pas, donc vous ne pouvez pas l'avoir. Si vous avez commencé hier à colorier, c'est pas grave. Que vous ayez commencé hier ou que ça fait 5 ans que vous coloriez, aucune différence. Tout le monde a le droit de participer si ça lui tente et personne ne juge. Voilà. Donc, ce mois-ci, c'est le fun parce qu'il y a 2 mois, j'avais fait ce colo en commun en collaboration avec Zazou. Zazou en couleur, je vous mets le lien de sa chaîne sous la vidéo de barre d'infos. Ça m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas parce que je parle tout le temps d'elle. Et vous aviez bien aimé quand on avait fait ça en collaboration. Donc, ce mois-ci, on refait une collaboration. Moi, je vais vous dire le thème pour moi, mais vous pourrez aller voir la chaîne de Zazou pour voir le thème que Zazou a fait. Et vous allez voir, ça, on dit que c'est en collaboration parce que les deux thèmes matchent ensemble. Bon, moi, mon thème, j'ai choisi Sous la pluie. Et je vais vous montrer des exemples dans plusieurs livres que j'ai. Pardon. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Pour vous montrer pour vous donner des petites idées. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose là. Je vais m'en rappeler juste à la fin de la vidéo quand je vais avoir fini de tourner. Bon, enfin, peu importe. Donc, c'est en collaboration avec Zazou. Ce que ça veut dire, c'est que nos deux thèmes matchent ou se complètent. Ouais, je vais y arriver. Par contre, vous n'êtes absolument pas obligé de faire nos deux thèmes, d'accord? Si vous voulez faire mon thème à moi, mais que celui de Zazou ne vous tente pas, il n'y a aucun souci. Et pareil, si vous voulez faire le thème de Zazou, mais que le mien ne vous tente pas, il n'y a aucun souci non plus. Ne vous inquiétez pas, tout est simple avec moi et avec Zazou. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous pouvez soit faire un thème, soit faire les deux thèmes. Ça, c'est à vous de choisir. Si vous voulez faire plusieurs colos sur le même thème, il n'y a aucun souci non plus. Je vous dirai jamais, ah ben non, 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 t'en as fait un sur mon thème, là, t'en fais pas deux. Non, il n'y en a pas de problème ici. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous faites le nombre que vous voulez et on s'amuse. Donc, Zazou vous expliquera son thème. Aussi important, si vous faites le thème de Zazou, et que vous voulez le poster sur ma page, il n'y a aucun problème. Je ne vous dirai surtout pas, sûrement pas, hey, ça, c'est pas mon thème, ça, c'était le thème de Zazou. Va poster ça sur sa chaîne. Non. Non, non, non. Il n'y en a pas de problème. Vous pouvez poster vos colos sur mon thème dans mon album que je vais créer. Et vous pouvez poster aussi, si vous faites également le thème de Zazou, vous pouvez également le poster
dans mon album. Il n'y a pas de problème, vous ne vous ferez pas chicaner, promis. Zazu vous expliquera aussi que, d'après moi, Zazu, ça ne dérangera pas que si vous faites mon thème et que vous voulez le poster dans son album à elle, je pense pas qu'il va y avoir de problème. Donc voilà, nous ne sommes pas chiantes, mes amis. Voilà, sous la pluie. Je vous ai fait une petite sélection et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, sous la pluie, je veux de la pluie. Je veux des nuages. Je veux de l'orage. Je veux un ciel apocalyptique, mes amis. Donc, tout ce que, si vous avez un colo que vous aimeriez faire, mais que, je sais pas, moi, par exemple, je vais essayer de trouver quelque chose comme un exemple à vous montrer. Déjà, pour mon thème « Sous la pluie », ça, c'est dans le « Daydreams » de Anna Carlson. Vous avez celui-là. Vous avez de la pluie ici. Mais, supposons que vous avez envie de faire lui, mais il n'y en a pas de pluie, ajoutez-en. Ajoutez-en, il n'y a pas de problème. Vous faites des petites gouttes d'eau, vous faites des nuages. Si vous faites des nuages, moi, je veux des nuages de, des nuages méchants, là, des nuages gris foncé, menaçants, vous comprenez? Si vous avez une page, je ne sais pas moi par exemple, vous avez une page où il y a un soleil. Est-ce que je vais en trouver un? Je ne sais pas. Supposons que vous avez une page où il y a du soleil, mes amis. Mais c'est pas grave. Transformez-le en lune. Faites-moi un ciel noir avec des gouttes de pluie, des éclairs. Vous pouvez tout à fait mettre des éclairs. Vous mettez des nuages, c'est super facile à faire. Vous mettez des nuages, vous mettez un petit peu de pluie. Par contre, regardez celui-là ici. Juste un exemple. Il n'y a rien qui vous empêche de mettre une lune ici et mettre quelques petites gouttes de pluie. Ou vous pouvez ajouter des petits nuages gris menaçants. Donc, super facile. Là. Super facile. Si vous ne trouvez vraiment pas dans vos livres, regardez, parfait ça. Voyez, vous me faites, étant donné que c'est la nuit, il y a des étoiles, vous me faites une lune. Vous me faites des petits nuages, des petites gouttes de pluie et ça fonctionne tout à fait. Mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans mes livres. Donc, celui-là, évidemment. On a des petites gouttes de pluie en bas. Vous pouvez ajouter des nuages en haut. Ça fonctionne très, très bien. Ensuite, vous avez celui-là qui est parfait pour mon thème. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des nuages, là. Mais vous avez déjà des gouttes d'eau. Donc, ça fonctionne. Pardon. Dès que je parle trop, j'ai la gorge sèche. Ensuite, dans mon Jasmine Beckett Griffith, j'en ai trouvé un qui pourrait tout à fait fonctionner. Regardez celui-là, mes amis. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Celui-là, c'est dans le A Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett Griffith. Vous avez celui-là. Il n'y a pas de pluie, c'est vrai. Mais il y a des nuages, il y a des éclairs. Donc ça, niveau ciel apocalyptique, c'est génial. C'est génial. Celui-là fonctionne très, très bien. En plus, oh, j'avais même pas remarqué, c'est écrit « Dress of Storm », donc comme « Robe de tempête ». Vous voyez, c'est peut-être pas comme ça qu'on le traduirait en réalité, mais voilà, celui-là, c'est parfait. Ensuite, j'ai trouvé dans mon Summertime un colo qui fonctionnerait. Je vais vous le montrer. C'est pas lui. Ah, OK. Il est ici. Je me disais, j'avais mis mon marque-page en mauvaise place. Il y a celui-là. Vous voyez. Attendez. Est-ce que je devrais le sortir de la feuille? Mais je crois que vous le voyez. Mais je vais vous le sortir. Ah. Je ne vais pas l'abîmer. Là. Bon. Voilà. Vous voyez? Vous avez de la pluie, des nuages, des flaques d'eau par terre. Vous pouvez tout à fait me faire des flaques d'eau par terre. Ça fonctionnerait. Vous mettez 3-4 gouttes de pluie dans le ciel, des flaques d'eau. Ça fonctionne. Donc, celui-là me tente beaucoup. En fait, il y en a plein qui me tentent. OK. Donc, vous voyez, Disney, ça fonctionne, là. Ensuite, dans le Summer Night de Anna Carlson, vous avez celui-là. Celui-là aussi, ça fait une éternité que je veux le faire. Goutte de pluie, c'est parfait. Vous pouvez même me faire celui-là ici, là. Vous me faites des petits nuages et vous faites des couleurs sombres, là. Ça va fonctionner. Ensuite, j'en ai aussi trouvé un dans mon I Dream in Color de Annaline. Donc, voilà celui que j'ai trouvé.
Vous avez des nuages, de la pluie, une flaque d'eau. Parfait. Ensuite, il y en a que vous pouvez faire dans le Mythomorphia de Kirby-Rosanna. Ou Rosanes, je ne sais jamais comment le dire. Voyez celui-là. Vous pouvez me faire un ciel apocalyptique. Même s'il n'y a pas de nuages, vous me faites des couleurs apocalyptiques et ça fonctionne tout à fait. Quoi d'autre? Celui-là, ça pourrait fonctionner avec des couleurs de ciel menaçant. Franchement, vous avez beaucoup, beaucoup d'options. Il y en a d'autres, je le sais. Celui-là, pareil. Vous pouvez me faire des nuages, de la pluie, ou même, comme je vous ai dit, un ciel menaçant. Il y en a tellement dans celui-là, là. Celui-là, si vous voulez créer, il y en a-tu de la place? Hein? Vous avez tout ça, vous avez tout ça. Vous pouvez ajouter des trucs si ça vous tente. Donc, je pense que celui-là aussi, hein? Vous pouvez faire un ciel des couleurs apocalyptiques en arrière-fond, là. Un ciel noir, orageux et tout. Ça fonctionne en plus avec le loup-garou, ça c'est sûr. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer plus. C'est tellement simple, le thème sous la pluie. Tout simplement. Celui-là aussi. Vous pouvez faire un ciel apocalyptique, des nuages, vous pouvez ajouter des gouttes d'eau. Donc voilà, mes amis. J'espère que ce thème va vous plaire. Je ne l'avais jamais fait celui-là. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai jamais pensé. Mais moi, il me plaît beaucoup ce thème. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous voulez vous trouver un colo où il y a déjà de la pluie et des nuages. Ou si vous avez tout simplement envie d'en rajouter, de faire votre propre ciel apocalyptique. Donc voilà mes amis, je vous invite à aller voir la vidéo de Zazou. On va essayer, je vais essayer de la. On essaie tout le temps de la poster à peu près en même temps. Je vais voir à quel moment elle va pouvoir la poster. On va essayer de pas faire comme la dernière fois. J'avais dû poster, j'avais pas eu le choix, j'avais dû poster en avance avant qu'elle sorte la sienne. Mais là, on va essayer de se synchroniser si c'est possible. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite à aller voir la vidéo de Zazou pour découvrir son thème. Et comme je vous ai dit, ça ne devrait pas être difficile à trouver parce que nos thèmes se complètent très bien. Donc voilà mes amis, j'espère que vous allez participer en grand nombre. Dites-moi ça en commentaire. Si vous me dites que vous participez mais que vous ne pouvez pas, ce n'est absolument pas grave. Dites-moi si vous avez déjà une idée dans quel livre vous voulez aller colorier. Moi, je suis très curieuse. Moi, n'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.